Il est vivant, il est ressuscité, qui acclamons pour le Seigneur. Frères et sœurs, en ce samedi 9 septembre 2023, l'église de Kinshasa est en liesse. Au cours de cette célébration eucharistique, nos pères, Monseigneur Édouard Issangou et Monseigneur Édouard Timba, seront ordonnés évêques de main de son éminence, Fridolin Cardinal Ambongo, archevêque métropolitain de Kinshasa, Essengoto et Essengote. Na Essengoena, ban soto télémé, pour Koingi Sakou Zéissant. Et les Mouyalibi qui l'y a mis sous, Kouyamba, Bassal ici, Bamisa, Bangagansan, Batata épiscope, Petata épiscope à l'Okumu, Yangumba qui sasa. Et le monde en courant, Toyemba, Tobina, Tobete Maboko, Totele Mibiso Banso, Kouyamba, procession. Thank you.
Thank you.
comme ya tata, pe ya mwana, pe mon santo. Amen. Boboto, posala na bino. Chers frères et sœurs,
puisque le troupeau confié à sa solitude appartient à Dieu. Ainsi, à la suite du Christ, en bon et fidèle intendant, l'évêque devient un modèle pour ses brebis. Envoyé par le Père pour sauver l'humanité, notre Seigneur Jésus-Christ a lui-même choisi de nous apporter. Il les a envoyés dans le monde comme témoins véridiques de son amour, de sa paix et de sa justice. À leur tour, les apôtres, remplis de la force de l'Esprit Saint, ont choisi et envoyé des hommes auxquels ils ont imposé les mains. Par l'onction, ils leur ont communiqué la plénitude du sacrement de l'ordre. De cette manière, l'évêque devient par le don total de sa vie un veilleur, une sentinelle et un éveilleur, un réveilleur. En tant que veilleur, sentinelle, l'évêque veille au bien-être et à la croissance intégrale du troupeau. Homme éveilleur, réveilleur, l'évêque a la mission de tirer le brebis du sommeil, de la haine, de la division, de l'injustice et de la violence. Bref, du sommeil de la mort. Dans l'Évangile, Saint Jean nous révèle que l'évêque est appelé à être un bon pasteur à la suite et à l'exemple du Christ. Le bon pasteur est celui qui donne sa vie pour que le brebis puisse vivre dignement. Conscient de la gravité de cette mission, Jésus prévient l'évêque de la délicatesse de sa charge. Il déclare: voici que moi, je vous envoie comme des brebis au milieu de loups. Soyez donc prudents comme les servants et candides comme les colombes. Matthieu 10, 16. Oui, frères et sœurs dans le Seigneur, le bon pasteur sera confronté à de faux pasteurs, à de faux bergers que l'Évangile qualifie de voleurs et de mercenaires. Ces faux pasteurs, ces faux bergers ne viennent que pour voler, pour égorger, pour faire périr et abandonnent le troupeau à son triste sort quand survient le loup, quand survient le danger. Contrairement à ces mercenaires prédateurs de la vie du troupeau, l'évêque, en bon pasteur, a le devoir de manifester et d'organiser la sollicitude maternelle de l'Église à l'égard de tous les hommes, fidèles ou non. Il accorde une particulière attention aux pauvres et aux petits. Plus qu'un honneur, l'épiscopat est avant tout une charge et une grande responsabilité. Voilà donc ce qui attend nos deux frères promis aujourd'hui à l'épiscopat. Dieu les a choisis pour être de bons pasteurs pour le brebis qui leur seront confiés. Mes frères, Édouard Sita et Édouard Isango, dans quelques instants,
vous serez consacré évêque. Vous deviendrez des évêques. Vous n'êtes pas encore des évêques. Encore un peu, vous le deviendrez. Vous serez ainsi constitué en vrai et authentique maître de la foi. Chacun de vous s'est donné une église épiscopale spécifique. N'aie pas peur, le Christ lui-même te conduit. Pour mon Seigneur qui doit s'y battre. Grâce, miséricorde et paix pour mon Seigneur Edouard Issango. C'est là tout un programme de vie et d'action pastorale qui est ainsi résumé dans votre devise. Dans l'exercice de votre ministère épiscopal, ayez à cœur le souci du troupeau de Dieu. À ce moment précis de l'histoire de notre pays, le peuple de Dieu, le troupeau de Dieu qui vous sera bientôt confié, est un troupeau traqué et blessé de tous côtés. C'est un troupeau qui crie, qui pleure, et qui compte ses morts. C'est un troupeau composé de brebis qui ne mangent pas à leur faim. Soyez donc à l'écoute de ce troupeau de Dieu. Des mercenaires, des envahisseurs, venus de l'extérieur, avec malheureusement des complicités internes, s'attaquent aujourd'hui au troupeau de Dieu, s'attaquent aujourd'hui à nos populations qui fuient leur village et végètent dans des camps de réfugiés. Je pense en particulier à la situation insupportable en Ituri, au nord Kivu, autour de Goma en particulier, et plus proche de nous, dans le territoire de Kwamu et ses environs. Un peuple qui est aujourd'hui traqué et qui ne sait plus vers quel sein se tourner. Avec consternation, nous avons tous appris le drame incompréhensible survenu il y a quelques jours à Goma. Des fils et filles de notre peuple ont trouvé la mort par la volonté et la méchanceté de quelques éléments de nos forces de l'ordre et de la sécurité. Nos frères et sœurs, tués ainsi n'ont pas mérité d'être traités de la sorte, sous prétexte de protéger la MONUSCO et les forces de l'EAC, East African Community, Communauté des États de l'Afrique de l'Est, dont le mandat spécial pourtant est de protéger cette population. Aujourd'hui, nous nous trouvons dans une sorte de renversement de l'ordre des choses. Pour protéger la MONUSCO, pour protéger l'EAC, on doit tuer les Congolais. Et pourtant, ils sont venus justement protéger cette population civile. Allez-y comprendre quelque chose. Face à ces drames, nous nous posons une question. La première question, est-ce que les adeptes de la secte Ouazalendo
ne sont-ils pas manipulés par une puissance extérieure pour aggraver le chaos à l'Est et ainsi justifier des plans machiavéliques sur notre pays? Est-ce que ces gens, sciemment ou inconsciemment, n'ont pas été manipulés? Deuxième question. Du côté de notre armée, qui a donné l'ordre de tirer sur une population sans défense? Et nous partons du principe qu'une armée est un corps organisé. Et un corps organisé n'agit pas dans les désordres. Il n'agit que sur ordre. Et qui a donné l'ordre? En assurant mon confrère, Monseigneur Willy Koumbi, évêque de Goma, qui a vécu en direct cette tragédie, il est ici avec vous, Monseigneur Willy. Aussi, les familles des victimes de la proximité brillante et de la compassion de l'Église, j'encourage le chef de l'État ainsi que l'ensemble de notre gouvernement à poursuivre et à mener jusqu'au bout les efforts pour faire toute la lumière sur cette tragédie et de sanctionner les coupables de cet acte incompréhensible. À sauvegarder la souveraineté de son pays et que ce pays ne soit jamais vandalisé par qui que ce soit. Le troupeau des dieux qui vous sera confié bientôt veut juste vivre et vivre dignement sur la terre de ses ancêtres. Quel méchant et autres prédateurs entrent leurs mains de notre pays et de nos richesses comme l'a recommandé le pape François. Mes frères, Édouard Simard et Édouard Sal, votre devoir est aussi de veiller pour que la soif de Dieu et de sa parole qui est au fond de notre peuple ne soit pas exploité par d'habiles charlatans en quête d'argent et de marchands d'illusions. Dans l'accomplissement de votre mission prophétique, enseignez à ce peuple l'évangile du Christ avec un courage inébranlable et dans une ferme confiance au Seigneur. Il est fidèle, celui qui vous a appelé, 1 Timothée 5:24. N'ayez pas peur. Matthieu 14, verset. Que personne non plus ne vous fasse peur quand vous prenez pour plus de justice, de paix et d'unité. Le Seigneur Jésus vous rassure qu'il ne vous abandonnera pas. Ne craignez pas ce qui peut tuer les corps et les sénats. Matthieu 10, 28. Fort de cette assurance, Saint-Paul nous invite à proclamer la parole, à intervenir à temps et à contre-temps, à dénoncer le mal, à faire des reproches.
à encourager toujours avec patience et souci d'instruire. 2 Timothée 4, 2. Mes frères, Edouard Sima, Edouard Issam, l'exercice de la charge de sanctification vous conduit à être également des maîtres de la vie de prière. En dispensateur des grâces de Dieu, vous êtes de principaux animateurs et veilleurs de la liturgie. Vous amènerez de cette façon le peuple de Dieu à vivre comme la première communauté de Jérusalem, en ayant un seul cœur et une seule âme à que faire de eux, et en étant assidu à l'enseignement et à la communion fraternelle, à la fraction du pain et aux prières. Acte 2, 42. En entrant plus profondément dans la miséricorde de Dieu, vous dégagerez le suave parfum de la joie qu'apporte le Christ, notre Père. L'exercice de votre charge de bon pasteur vous conduira à vous donner entièrement pour le bien de tous. Suivez en toutes circonstances l'exhortation et l'exemple de l'apôtre Saint-Pierre. Veillez sur le troupeau, non par contrainte, mais de plein gré, selon Dieu, non par cupidité, mais par dévouement, non pas en commandant un maître à ceux qui vous sont confiés, mais en révélant des modèles du coup, 1 Pierre 5, 2 à 3. De cette façon, vous travaillerez à l'unité du peuple de Dieu et barrerez inexorablement la route à tout esprit de division, de régionalisme et de tribalisme, en faisant redécouvrir à notre peuple la joie d'être véritablement frères et sœurs, de former une grande famille et de vivre ensemble heureux. Frères et sœurs dans le Seigneur, la joie que vous manifestez aujourd'hui à l'occasion de cette ordination épiscopale est vraiment le signe de l'accueil fraternel que vous réservez à nos deux nouveaux évêques. Je vous prie donc de les soutenir par vos prières et de les aider par vos conseils afin qu'ils accomplissent leur mission avec joie. Les noms, par vos commandes, par épiscopaux,
les alibons morts, ils sont pas sont chancelier et archidiocèse. Moi, je n'ai pas voir ces cinq auditeurs, mais n'est pas. Donc, on a la finance. Les alibons morts, et d'autres rites complémentaires.
Thank you.
avec les anges et tous les saints, nous proclamons la gloire ensemble.
Thank you.
Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Je prends la parole d'abord pour vous remercier de l'invitation que vous avez voulu lui adresser pour prendre part à cette cérémonie grandiose. En deuxième lieu, je voudrais vous transmettre les remerciements du président de la République pour la nomination des nouveaux évêques, tel que vous venez de le faire, parce que avec cette nomination, c'est notre nation tout entière qui est bénie. Comme de coutume, le chef de l'État m'a chargé de vous dire qu'il va dans les tout prochains jours apporter son cadeau à nos deux évêques, et tout le monde le sait, ce sont des véhicules pour permettre leur locomotion. Papa Cardinal, je profite aussi de l'occasion pour transmettre des vives et sincères félicitations à nos deux évêques, les félicitations venues du président de la République. Le président souhaite que les nouveaux nommés puissent contribuer à la propagation de la parole de Dieu, qu'ils puissent ajouter leur prière au vôtre, pour que tous les malheurs qui frappent notre pays soient conjurés, et que la bénédiction du Dieu Tout-Puissant puisse planer sur notre nation, éclairer l'intelligence des dirigeants ainsi que de tout son peuple. Je vous remercie.
le sentiment de gratitude face à l'élection du Seigneur à travers l'élection de sa sainteté, le pape François, et joie aussi d'être accueilli par son éminence Fridolin Cardinal Ambongo, archevêque métropolitain de Kinshasa, comme son auxiliaire, comme ses auxiliaires, puisque nous sommes à deux. Et donc, c'est dans un élan de solidarité, de collaboration que nous entendons travailler avec lui pour la plus grande joie du peuple de Dieu ici qui est à Kinshasa. Donc mon cœur est inondé de joie parce que le Seigneur fait toujours des choses merveilleuses et ce que le Seigneur accomplit, c'est pour notre bien. Nous disons merci au Seigneur pour ce qu'il a voulu réaliser pour nous aujourd'hui et nous nous abandonnons entre ses mains pour notre avenir. Les voilà. Quartiers de King vous ont vu la dernière fois comme secrétaire de la CEPKIN, un message. Oui, je garde des bons souvenirs de Kenge où nous avons passé 5 jours dans le cadre de la session ordinaire de la CEPKIN. Et je crois que ce que je suis devenu aujourd'hui, c'est aussi les fruits de leurs prières. Ils prient pour leur pasteur, ils prient pour leur prêtre. Je leur transmets mes chaleureuses salutations à partir de Kinshasa et je leur demandais de continuer toujours à prier pour nous et nous sommes là pour eux. Merci. Des siècles. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.